Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter rapidement la dernière mise à jour du firmware de la BitBuddy avec la version 2.7.0 que nous appelons la mise à jour Tempo. C'est parti! L'un des principaux axes de cette mise à jour concerne la facilité d'utilisation et le fonctionnement de notre fonction TapTempo. En gardant cela à l'esprit, nous avons mis en place quelques améliorations majeures. Tout d'abord, nous avons fait en sorte que le TapTempo n'utilise que des chiffres ronds. Nous évitons ainsi les chiffres complexes, un tempo de 120.54 par exemple. C'était un vrai problème sur la BitBuddy, notamment pour la synchroniser correctement avec d'autres appareils externes. Nous avons ensuite introduit un nouveau fonctionnement pour la fonction TapTempo, pour qu'elle s'ajuste automatiquement à la signature rythmique utilisée sur le beat qui est joué. Par exemple, si votre signature rythmique est en 6-8, lorsque vous activez le tap tempo, vous allez sélectionner les croches, alors qu'auparavant, vous deviez forcément sélectionner les noirs, peu importe la signature rythmique de votre beat, et cela devenait vite compliqué si vous utilisiez des signatures rythmiques différentes. Nous avons aussi amélioré l'interface de l'écran tempo sur la BitBuddy. Maintenant, lorsque vous ajustez le tempo, la valeur du tempo apparaît en grand, pour que vous puissiez bien la voir tout en restant debout. Enfin, si vous réglez le tempo avec le bouton Tap Tempo de la BitBuddy, ou avec le Foot Switch, ou avec n'importe quel autre contrôleur externe, la pédale principale de la BitBuddy peut immédiatement commencer le morceau, même si elle est en mode Tap Tempo. Vous pouvez donc activer le mode Tempo et lancer votre morceau dans la foulée, sans avoir besoin de sortir de l'écran du mode Tap Tempo. Il y a une exception à cela. Si vous verrouillez le mode Tap Tempo en maintenant appuyé la pédale principale de la BitBuddy avant que le morceau ne soit lancé. Une autre fonctionnalité que nous avons développée vous permet de désactiver les outros dans les paramètres de la BitBuddy. Lorsque ce paramètre est donc désactivé, vous pouvez appuyer deux fois sur la pédale et le morceau s'arrêtera à la fin de la mesure sans lancer d'outro. Vous avez été nombreux à nous demander de mettre cela en place. C'est fait. Nous avons aussi amélioré les capacités MIDI de la BitBuddy afin de préparer l'arrivée de nos nouvelles pédales pour qu'elles fonctionnent harmonieusement avec la BitBuddy. Et nous avons corrigé certains bugs. Si vous souhaitez avoir plus de détails à ce sujet, n'hésitez pas à visiter le post dédié sur notre forum et dites-nous sur quelles améliorations vous souhaiteriez que nous travaillions. Nous écoutons donc vos suggestions et nous voulons satisfaire le plus grand nombre d'entre vous. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et faites du rock !